Johnny Ferdinand, qui c'est journaliste vedette Radio-Télévision Caraïbes, spécialement journal Première Occasion qui fait chaque matin sur Radio-Télévision Caraïbes, fait qu'on est que Haïti, c'est un pays, c'est gang seulement qu'à diriger. Parce que politiciens n'ont pas décidé de mettre ensemble, ils ont plus voulu vendre pays avec blanc. Si nous avons gardé, nous avons bandi yo, fait une union pour être capable de faire un bagaille. Nous, les politiciens eux-mêmes, ils n'ont pas jamais mis tête pour faire un dans le pays. Et bien, pas que nous trop long, on a le temps des journalistes qui ont fait plus de détails sur sa pensée, comment le pays a dirigé dans le moment où on a parlé là. Donc, tu viens de faire, les gangs, exam, a fait des faits, a simé la trouble, a tué les gens, a kidnappé les gens. Donc nous autres en Haïti, nous, c'est la principale victime. Non? Mais nous, nous avons droit à tout, sous une forme ou sous une autre, nous sommes victimes. Nous sommes victimes parce que nous avons limité, nous ne sommes pas venus dans le pays. Mais nous sommes victimes tout parce que nous avons des proches en Haïti. Je veux dire, si nous avons kidnappé, nous avons obligé de voir quoi pour payer rançon. Ou bien tout, si nous avons des bagages qui ne peuvent pas marcher sur le plan socio-économique, nous avons obligé de contribuer, de voir l'argent pour qu'un pays ait envie. Donc nous avons intérêt, je veux dire, si mon bataille est faite pour mettre hors d'état de nuire gang yo avec chef gang yo pour qu'il y ait une sécurité. Pour participer là-dedans. Quand vous voulez venir, on est qui peut-être dans la diaspora ou faire business, vous voulez continuer en Haïti. C'est business qu'on fait. Depuis le pays illégal, etc., vous avez droit à ça. Mais même si, guerrier, pas de aucun texte de loi, même si pas de dispositions, pas de mécanismes qui mettent en place pour vous-même faire continuer pour vous en Haïti, pour qu'on ait qui soit voué ou pas, mais comme citoyen haïtien, guerrier de seul, et c'est là devoir de responsabilité pour commencer. Vous dites, comme il y a plusieurs scandales par le passé, côté. Il y a des gens dans la diaspora pour un réseau bien pour un autre à acheter des âmes voyées à Haïti. Soit parce que ils veulent rentrer dans le business de vendre des âmes, soit tout, ils ont des connexions avec des gangs armés au niveau du pays. Et puis ils ont voyé des âmes à tort et à raison et qui viennent faire tout ce qu'on a là-haut. Et les gens ont dit, bah, on prend conscience désormais, moi-même qui ai un conteneur, on monte pour ton boîte pour me voir en Haïti. Je n'ai pas de problème, je vais taper, mais au moins, débourrer le monde à la donne. Je ne sais pas. Et là, je pense que la diaspora a une responsabilité. Moi, je ne vais pas parler avec tout le monde honnête. Et pas tout le monde qui n'a pratique ça. Mais il y a des gens qui sont aux États-Unis, notamment dans l'État Floride, il y a des seuls. Je pense que vous êtes capable de coup de main. Même si nous avons l'État sanguin, Jean Zamien, je vais partager ça avec vous, une série d'informations qui quand même triste sur des débat qui étaient faits, la douane qui n'est pas faite. Mais au moins comme citoyen haïtien, comme patriote, comme monde qui aime le pays, nous avons un coup de main. Et là, je m'adresse à la diaspora d'une façon générale, mais également à Mountou qui prend malin plaisir à acheter des âmes voyant en Haïti ou bien à faciliter les âmes entrer dans le pays. Et j'aime te dire non édition intersection que je me disais que je suis un peu aussi criminel tout que les membres des gangs armés. Ils sont aussi criminels tout que les chefs de gangs. Moun qui peut-être a vendre zam ou bien a acheter zam pour vous vendre États-Unis, pas États-Unis pardon, a acheter zam États-Unis pour vous vendre Haïti ou bien a faciliter zam sorti États-Unis pour rentrer en Haïti. Je dis à guerrier du seul, quantité zam cap sorti États-Unis cap alimenter gang yo dans pays d'Haïti, tout monde d'accord à l'unanimité, c'est un plus gros défi que nous autres haïtiens. Nous gagnons pour nous lever. Ou est bataille avec gang yo, ou est arrêter gang ou bien mettre hors d'état de nuire là. Ça pour j'aime défi pour Haïti d'une façon générale, pour nos autorités d'une façon particulière. Puis gros défi, c'est comment capable stopper ou bien contrôler question zam qui rentre dans le pays. Guerrier de seul, si ne pas arriver gérer question ça guerrier. Ha. Solution à insécurité elle va pour demain, non? Nous avons peut-être non futur pas trop lointain. Nous pas gagne même chef de gang encore. Mais depuis zam continue à rentrer dans condition ça yo, pas bonne, pas macon, pas paquet guerrier. Donc nous sujet à faire face à l'avenir à des groupes armés et pas gagne qui pas plus puissant que ça n'est aujourd'hui a. Parce que 5-10 ans de cela, modèle gang nous gagne là c'est pas yon te gagne avant. Donc ça veut dire yon a plus gros défi c'est comment nous ka au moins soit gagne contrôle question zam ça ou ka rentrer sous États-Unis dans pays a. Ou bien pour nous camper et pourquoi pas. Parce que si nous songez, dernier rapport ONU, n'a pas parlé là du rapport que experts qui étaient dans le comité et Conseil de sécurité des Nations Unies te mettaient sous pied au regard de résolution 2653. Et nous songez ça qui est pour avec question Haïti. Ils ont même révélé que groupes criminels, les plus puissants, ils sont très intéressés à acheter un ensemble de armes de gros calibre.
Ils ont acheté pistolet, oui, mais ils sont plus intéressés à acheter des armes gros calibre. Ça n'est que les fusils d'assaut. Tant qu'on a AK-47, AR-15, pour citer ça seulement. Et qui ça expert a expliqué? Ils ont dit majorité des armes et munitions, ça y est, ils ont passé dans la contrebande par voie terrestre, aérienne et maritime à partir de un ensemble d'États aux États-Unis. Par exemple, la Floride, le Texas et la Géorgie. Derrière Dieu seul. J'aime ce que je disais tout à l'heure. Si pas un travail sérieux qui fait, bon côté la police, bon côté la justice, bon côté la douane, qui peut être sollicité et s'il y a des protocoles qu'il a déjà pu exploiter, support, aide internationale, et spécialement les États-Unis qui sont très concernés, il faut mettre ferme confiance. Depuis pas un exemple qui est tracé dans le niveau ça, pas jamais gagner, on souffre à la question de sécurité. Autrement dit, derrière Dieu seul, solution insécurité. Et pas pour demain. Pas pour demain. Parce que il y a des gens qui ont dit seul, qui ont vu une série de marchandises ici, illicites. Ils ont saisi. Après ça, ils ont dit qu'ils ont gagné un gros monde dans le système. Ils ont mis des gros l'argent de eux, ils ont rejoint les marchandises. Ça m'a dit là, c'est triste, mais c'est une vérité, madame, monsieur. Mais Zamna était 20-15, il était 15-10. Et souvent, c'est un bon nombre de temps, il n'y a pas de bail comme ça, pas de 13 ans du tout. On a demandé de me dire, ça m'a dit. Et c'est la crête, mon yo, pour Zamna, pas venir sous marché criminel là. Parce que puisque nous pas forcément connaissons si elle joue la police, si elle joue l'armée, donc du coup, il y a possibilité pour Zamsa yo même, il y a vin sous marché criminel là, donc vini Zamsa yo sous marché criminel là, il dans l'autre des choses possibles. Par contre, je ne peux pas dire ça. Comment tu as dit, que disent les lois de la République lorsqu'on saisit Zamsa yo, qui sa procédure là y est? Brigadier, fait travailler au niveau de la douane? Yo suspecte bon bagay ki pa clair, yo font fouille, yo relé la police, yo accompagné don juge de paix, yo au terme de fouille, yo dressé procès verbal, etc. On dit le pas fait Port-au-Prince, y a voué au niveau du service départemental de la police judiciaire, après ça SDPJ a gagné pour voyer au niveau de la direction centrale et elle est arrivée là. Quelle est la suite? Yo Dieu seul. Quelle est la suite, madame monsieur? Et parce que c'est ça qui paraît comme une préoccupation ni pour moi. Ni pour mon capitaine de yo. Yeah. Qui ça vous fait examen ça yo? Maintenant, je parle avec un commissaire gouvernement. Je dis, l'homme est venu dans la situation, ça côté, Zam dans ce côté social, il est venu des CPJ. Qui ça suivi yo, il y a des gens? Je parle au deuxième commissaire gouvernement. Je pose la même question. Je dis, la réponse que magistrat yo, bon moyen, moi, je me compte, il y a des gens, mon cher, nous malade. Yo expliqué que quand il y a des jugements ou bien des séances qui ont fait au niveau de la justice, monter mon y a présenté à poser question etc. Et puis par quel moment des bails que considéré comme les corps du délit poursuivi judiciaire etc. Et puis pour une raison ou pour une autre des CPJ pas voyé. Alors faut mon d'avoir dans certains cas on a un bon prétexte. Yo qu'on dit que par quel pas gagné capacité pour non seulement ekembe mais tout pour sécuriser au paradis. Et de fait, pendant plusieurs fois, nous entendons le corps du délit qui a disparu dans le paquet de dossiers. L'argent que vous saisissez dans une série de dossiers qui disparaissent, les âmes qui disparaissent, pas de monde qui compte au fait, qui compte au avec eux. Donc ça a un sens. Mais quand ça a tout guerrier, il y a des dossiers qui ont saisi des âmes guerriers du seul. Nous ne pouvons pas être devant la justice jusqu'à ce que le dossier a fini ou pas j'aime le corps du délit. Il va en paraître et ne va pas parler de bagages en grande quantité. Donc je dis à la noix, on doit nous poser la question. Est-ce que vous avez un dépôt quelque part? Est-ce que l'État haïtien Gonjan li gère question ça? Est-ce que yo détruit yo? Est-ce que tout yo faut face au yo clean pour le capable venir au service de l'État haïtien? Même là encore, guerrier. Si me comprendre bien sa majesté Odia, faut que tu aies une décision de justice qui vous prend. Qui dit au terme de tel jugement, tel dans cadre tel dossier, etc., et la justice décide que Zamsa désormais libre aller dans l'arsenal de l'État, libre aller au service de X ou Y. Comme Baron qui sa constitution a dit, par rapport à l'armée avec la police, qui est-ce qui doit gérer les questions de l'État, etc. C'est l'armée. Oui. L'armée? Ok. Mais, bagage ça pas clair, guerrier. D'abord, il y a des dossiers qui ont commencé pas jamais finir au niveau de la justice. Et il y a tout qui ont fini décision, pas de gens qui ont écouté Zamsa ou fait. Et désolé de le dire. Il y a des côtés où ils disent qu'ils ont des gros chefs qui ont décidé, et puis ils disent mais quelle orientation à Bayo. Ou d'accord que n'importe qui chef, beaucoup des amis arrivés, va décider pour le prendre. On va savoir ça, je ne le dis pas là. Un peu au niveau de la police. On pense que si stock des amis qui est arrivé dans le plus haut niveau,
on c'est policier qui a décidé le brayon. Non, pas quoi ça. C'est policier qui a décidé le brayon depuis dans fouille là. On comprend des marches là. Oui. Depuis dans fouille là, mais les rive côté rivière ou d'accord pour disparaître, c'est gros autobré, nèg qui gen gros costume, gros cortège derrière. On parle avec un membre bon structure qui te bon regard sur question ça dans le pays là. Et puis me dit qui ça a gagné comme information. Yo dit me te gagné une mission pour répertorier à chaque fois gagné des âmes qui rentrent dans le pays. Et puis on dit on l'œil aller son site côté gonse zik te fait. Et puis bon agent douanier qui témoigne ba yo qui dit comme ça mon cher mais combien d'âmes yo teye gagné un chef c'est maître. Tu vas voir exact qui là c'est fait on a dit ça parce que nous un système qui défaillant qui fait on a dit ça. Comment comprendre mon dans fin voyer blober ici. Et puis yo saisil et puis il dit tête frette. La récupérer marchandise la rejoindre encore. Peut-être qui ça parce que il y a des monde dans plus haut niveau ou bien des monde qui corrompu dans le système là. Il pral joine avec eux et puis je marchandise li bac. Donc d'accord qu'on y a là, si pas un travail qui fait un différent maillon dans chaîne là, que le la douane, que le la police, que le la justice ou bien l'état d'une façon générale mettez avec entraide avec international là, guerrier, on est foutu. On est foutu. Ouais. Et à la question maintenant de savoir sacrifier les amis. Moi, parler avec des gens au niveau de la douane. Moi, parler avec des gens au niveau de la police nationale d'Haïti. Moi, parler avec des gens au niveau de la justice haïtienne. Adjani Oximab Saint-Fleur, guerrier Dieu seul, madame, monsieur. Je ne vais pas faire mon peur, la guerrier. Et je ne vais pas faire sensation, guerrier. Où est la solution à parler là pour question insécurité ya? Notamment avec vous, les âmes qui apprennent pas pile, papa, qu'on a gagné dans le pays. Il n'y a pas pour demain, non, ouais. Il y a des bagages qui pas clair. Et le fait que les bagages ne sont pas clair, il y a une possibilité pour gagner gros des zones. La question des âmes qui saisi dans le niveau de douane, vous avez dit seul. Est-ce que tu connais? Il y a une possibilité pour chiffre, vous communiquer sur quantité des âmes et munitions qui saisissent, pour vous varier. De l'heure que sorti la douane pour arriver côté Bralia en bon créole mais ça me veut dire guerrier. Pas étonné ou bon procès verbal qui dressé yo dit c'est 20 âmes qui saisi guerrier. La presse connaît gain 20 âmes qui saisi guerrier. Et ben distance pour le arriver côté il y a pas étonné c'est 10 âmes qui arrivé c'est 5 âmes qui arrivé guerrier. Apparemment de côté au fait baron. Par exemple 6 âmes qui pour sortir au cap par exemple pour venir dans pour Port-au-Prince côté on va mettre en attendant que au besoin etc. pour les suites nécessaires. Pas étonné au guerrier Dieu seul depuis la douane dans zame et quantité a commencé réduit juste pour arriver côté le river. Nous avons des blagues mais c'est une vérité. Moi du moins parler avec des monde et me se dire dans quel secteur oui qui c'est information pour moi vous faire comprendre ça mais ça veut dire que vous saisir fait là carrément. Avant même agent douanier dans des places de la monde spectateur relais la police zame qui doit commencer disparaître. La police arrive avant même pour se faire bal dresser, il y a des amis qui doivent disparaître. Les procès verbal dressés, ils ont réuni la presse ou bien ils ont rendu l'information disponible. Côté le doit disponible officiellement. Et puis distance pour le sortir, côté le sortir.